C'est un château qui date de 2005. J'ai voulu aller vers beaucoup plus de simplicité. Simplicité dans les harmonies, simplicité aussi dans la formation orchestrale. J'ai voulu aussi intégrer la trompette à l'orchestre, comme si la trompette était comme une excroissance de l'orchestre. C'est une succession un peu de fondus enchaînés, comme on dirait en cinéma, tu vois, avec des images qui vont superposer, qui vont s'enchaîner, qui vont donner des couleurs différentes à chaque fois et qui vont amener à chaque fois à l'évolution de la thématique et à l'évolution de l'œuvre.